la puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Yann Colette. Lu par Sophie Verbeck. Lu par Johanna Price. Lu par Gonzague Van Berwesles. Lu par Marie Modiano. Lu par Fabienne Babb. Lu par Fabrice Had. Lu par François Négret. Lu par Andrea Brusque. Lu par Gilles Masson. Lu par Kate Moran. Parce que le monde a cessé de nous étonner, de nous galvaniser, de nous surprendre, nous nous sommes réfugiés dans l'art. Car le point commun et la force de ces écrivains n'est pas seulement d'avoir fréquenté les mêmes cercles, d'avoir appartenu à un même mouvement, mais d'avoir eu un destin romanesque, chimérique, souvent tragique. La folie et le glauque du parcours de Manson s'incrustent, bavent, s'imprègnent dans les pages du Kerouac. Un autre jour, tandis que je suis à la recherche d'un roman de Thomas Pynchon dans une librairie, j'accède, un peu par hasard, à un sous-sol dont je pensais l'accès totalement privé. On sait à quel point l'amour peut être destructeur, mais on ne sait plus reconnaître le caractère insidieux et progressif de ce phénomène. Certaines pages de Sade ont cette capacité, cette faculté de pouvoir faire jouir certaines personnes. Nous allions nous faire mal pendant 15 à 20 minutes sans même nous connaître. Nous allions explorer la peur, la douleur, les coups bas, les ruses, tout cela les yeux dans les yeux. Une narration proche de l'hypnose qui vous embarque dans l'infiniment complexe. Sa logorée est comme une cascade qui vous emporte. Vous ne pouvez faire marche arrière. Vous y allez. Mon itinéraire m'entraîne vers un texte qui se dessinait déjà à travers la lecture de Calafert et Rilke, comme un spectre reprenant progressivement forme, de moins en moins impénétrable au fur et à mesure de mon cheminement. J'aime cette idée que les écrivains soient dominés par l'enthousiasme, comme possédé par une force et une émotion puissante extrêmement positive. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Écrit et réalisé par Thomas Hofford. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 1, Aragon. Artaud est une canaille qu'il faut vomir, disait Aragon. Toute l'écriture est de la cochonnerie, disait Artaud. Passé de Lautréamont, Mishima et Artaud, puis d'une lecture savoureuse des lettres de Bukowski à Aragon, Aurélien. Passé de trois esprits torturés, malades, géniaux, à une conscience lucide de la société, de ses rouages, de ses mœurs, de ses rapports sociaux. Aragon, prêtre extra-lucide du sensible, des souffrances de l'amour, du paraître, moins intéressé par les tourments intérieurs et l'obsession, mais plus parce que secrète la souveraineté d'un regard chez un simple personnage. Là où les trois esprits fous voyaient en l'homme mâle, un pouvoir destructeur, puissant et beau, l'auteur d'Aurélien préfère, par le prétexte d'une présence masculine innocente, gauche et volontairement antipathique, croquer la femme et tour à tour la révéler, la déifier, parfois la détruire et la vomir, offrant au lecteur la possibilité de mettre à nu le regard d'un homme désorienté, perdu, au milieu des femmes, entre autres, qui découvre non pas la complexité de la société dans laquelle il est, mais celle de la pensée humaine et de sa condition, vulnérable, impuissante et imparfaite. Puissance. Car nous sommes entrés en étranger dans quelque chose de puissant. Expérience éprouvante, sensationnelle, cruelle, impressionnante, mystérieuse,
parce que le monde a cessé de nous étonner, de nous galvaniser, de nous surprendre, nous nous sommes réfugiés dans l'art. Il y a eu la puissance du théâtre, de la peinture, de la sculpture, de la musique, du septième art, de la littérature. Merveilleuses personnes qui ont su capter le monde, qui ont su traduire leur perception du monde, leur vision en langage littéraire. Roman, poésie, théâtre. Tous ces êtres que l'on dit décadents, insolents, monstrueux, les Artaud, Mishima, Lautréamont, sont au contraire des êtres purs qui ont su résister à la conviction de la beauté poétique et refuser la séduction de la forme narrative traditionnelle. La pureté s'est alors mêlée au courage. Se replonger, s'abandonner à nouveau dans cette expérience puissante qu'est la littérature, avoir le sentiment que chaque livre vous emmène vers un autre livre qui vous conduit à nouveau à découvrir une autre pensée, un autre style, dans un cheminement logique, jusqu'à parvenir au livre ultime, nécessaire, parfait. Ce livre, vous savez qu'il vous attend quelque part. S'active alors une petite mécanique qui vous guide progressivement vers cette œuvre précise, sans doute prodigieuse, sans doute éprouvante, éclairante. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Yann Colette, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, les poétesses américaines. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 2. Les poétesses américaines. Le meilleur moyen de délaisser Aragon pour un autre continent littéraire fut d'explorer la poésie américaine des années 60. Aller à l'encontre de la narration pure. Les femmes poètes américaines des années 60 ont offert à l'histoire de la littérature une force, une identité, un style et des univers saisissants. Diane Di Prima, Ruth Wise, Ellis Cowan, Lenore Kandel. Rattachées au mouvement Beat Generation, leur style est libre, engagé, vif, souvent piquant, mordant, parfois morbide, cynique, drôle. La vision et l'intuition de chacune de ces poètes et la manière de les transposer en langage littéraire sont fascinantes. L'histoire de leur vie l'est aussi. Car le point commun et la force de ces écrivains n'est pas seulement d'avoir fréquenté les mêmes cercles, d'avoir appartenu à un même mouvement, mais d'avoir eu un destin romanesque, chimérique, souvent tragique. Leur vie était fiction. Comme si le réel n'avait pas voulu d'elles, comme si l'ordinaire et le prosaïsme de la vie les avaient rejetées, bannies, répudiées. Expédiées hors de la réalité pour un cheminement de vie souvent douloureux. Ellis Cowan, amante d'Allen Ginsberg, internée dans un hôpital psychiatrique, boira, écrira et se suicidera à 28 ans en se jetant d'une fenêtre du 7e étage à Manhattan, avenue Bennett, celle de ses parents, ceux-là même qui avaient demandé son internement quelques années plus tôt. Une souffrance plus complexe que la réalité ne saurait inventer. Une souffrance synchrone à un esprit éclairé, vif. Un esprit habitant, locataire d'une appréhension du réel faussé, fictif. Car la volonté pour elle d'écrire est un symptôme, une séquelle, une conséquence de cette appétence poétique de la vie. Possédée par la puissance de la littérature après avoir assisté à une conférence poétique de Berkeley, Mary Norbert Court,
qui poursuit des études dans un couvent, vole de la nourriture, grimpe sur le toit la nuit et rejoint clandestinement les poètes pour débattre, échanger, lire et fumer. La fuite et l'aventure furent alors pour elle une nécessité. Janine Pomi Vega vivra en ermite sur une île du lac Titicaca dans la cordillère des Andes. Diane Di Prima parcourra les États-Unis à bord de son combi Volkswagen. Joanne Kaiger partira vivre au Japon auprès du poète et militant anarchiste Gary Snyder, puis entreprendra le pèlerinage du Dharma en Inde. Mary Norbert Court s'installera dans la forêt de séquoia du comté de Mendocino, en Californie. Il faut les voir déclamer leurs textes, assises sur le rebord d'un piano de bar ou affalées dans un vieux fauteuil capitonné en cuir. À la fin des années 50 à Greenwich Village, des affiches annoncent leur présence. Poetry reading, Sunday, July the 5th, 4 and 5 p.m. Poets of the Beat Generation, Gaslight Café, 116th MacDougall Street. Ce dimanche, 5 juillet 1959, Diane Di Prima, 24 ans, lit ses écrits en public au Gaslight Café à Manhattan. Surplombant la salle, habillée d'un chemisier en popeline de coton, Diane s'est installée sur le haut d'un piano, à quelques centimètres de la barre de pression et des chevilles d'accord de l'instrument. Près de sa tête, un plafonnier sphérique en verre blanc opaline laisse pendre un fil absurde, celui de l'interrupteur que personne ne peut atteindre. Le visage de Diane, pâle, qui semble vouloir s'accorder à la teinte de ce luminaire globuleux comme à une tête jumelle, laisse entrevoir une bouche volontaire, gracieuse et autoritaire. Son pied gauche, enfermé dans une sandale spartiate à lacets noirs, effleure le clavier du piano. Elle se met en scène dans ce semblant de petit théâtre encadré par deux affiches placardées sur le mur. Poets of the Beat Generation. Rien ne présume de l'obscénité et de la provocation qui jaillira de sa poésie et qui se répandra sur un public parfois surpris, parfois outré, parfois pantois. À cette époque, il est aussi important pour un poète de déclamer ses textes en public que pour un musicien de jazz de jouer dans un club. Les poétesses investissent des lieux pour scander, proférer leurs poèmes à l'université, dans la rue, dans un café, dans des festivals, dans une église. Lire ses propres textes devant 10 personnes ou les partager devant 30 000 est aussi vital que de se faire publier dans une revue. Le faire sien et le revendiquer comme un acte politique. Faire valoir l'idée par l'expression vociférante. Ce sont des écrivains, des rebelles, mais aussi des performeuses, de véritables actrices aux phrasés incisifs, théâtrales et arythmiques, libérant leurs vers entre paroles et chants. Un an plus tard, c'est sur un modeste trottoir que Ruth Wise choisit de lire des poèmes. Au numéro 1371 de la Grant Avenue, à San Francisco, l'une des plus anciennes rues de la ville, au carrefour de Green Street, face au restaurant Joe's Place. Posée devant elle, faisant office de tribune, un grand meuble en bois, cachant partiellement son visage et faisant penser à un embon, pupitre placé à l'entrée du chœur dans les églises. Une rumeur prétendait que ce mobilier liturgique avait été volé par les poètes dans la cathédrale Saints Peter and Paul, à deux pas d'ici, se sentant à peine coupable de cet acte blasphématoire car solidaire des anarchistes anti-catholiques radicaux qui avaient pris pour cible ce bâtiment à de nombreuses reprises, il y a plus de 30 ans. Armée d'un mégaphone, fixé sur le meuble sacerdotal à gauche du plateau et relié à sa bouche par un microphone, Ruth Wise semble avoir troqué son lectionnaire et sa Bible pour des pages de poèmes dactylographiés. Face à sa tribune, de nombreux spectateurs, enfants, vieillards, touristes se sont regroupés. La prédicatrice amoureuse des mots annonce son programme de lecture, affiché sur son curieux totem. San Francisco Poets Reading,
Host, Jory Sherman, Sid Corman, Richard McBride, Robert Stock, Michael Grieg, William Morris, Stanley McNeil, Daniel Langton, Ellen Adam, John Richardson, C.V.G. Anderson, Bill Butler, Tracy Thompson, David R. Wong, Robert Briggs, Victor God will show her the way. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Sophie Verbeck, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, Manson dans Kerouac. Jack Kerouac is dedicating this number to lovely, beautiful, skinny, shapely Sue Evans with the beautiful box. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 3. Manson dans Kerouac. Se plonger dans la lecture de Sur la route, de Kerouac, lecture quotidienne, quelques pages par jour, entrecoupées d'expériences de la vie ordinaire. Puis, sentir sa vision du roman perturbée de manière significative et mystérieuse par un événement extérieur. Une amie entreprend la lecture d'un livre qui, par le fait qu'elle vous en rapporte un résumé de chaque chapitre, chaque jour, imprègne de façon manifeste votre perception du Kerouac que vous lisez à ce moment-là. Son livre, l'autobiographie de Charles Manson, est alors mélangé, entrelacé, emmêlé au vôtre. La folie et le glauque du parcours de Manson s'incrustent, bavent, s'imprègnent dans les pages du Kerouac. Sur la route n'a plus tout à fait la même saveur. Cette expérience de lecteur qui voit son ouvrage imbibé, investi, transformé par le récit éprouvant de Manson, est paradoxalement ensorcelant, envoûtant. La vie de Manson se confond alors à celle de Kerouac. Deux traversées de l'Amérique qui s'accoutument l'une à l'autre. Deux temps qui se chevauchent, qui se consument l'un dans l'autre. L'âpreté, la brutalité, le sordide et la rudesse du récit de Manson s'imbriquent alors parfaitement dans les rouages stylistiques tout en dentelle de Kerouac. So in America, when the sun goes down and I sit on the old broken down river pier watching the long... Cette verve d'apparence libre et limpide ne se lit pas. Elle se respire, parfois suffocante, haletante, avec cette impression d'apnée, de manque de ventilation, en attente d'une expiration soudaine qui vous libère. The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all rivers, cups the peaks and folds the final shore in. And nobody,
Nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. I think of Dean Moriarty. I even think of old Dean Moriarty, the father we never found. I think of Dean Moriarty. Tonight also, I wrote a song called On the Road. I'm just rereading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind. Ce rapprochement, cette synchronisation forcée entre les deux récits, aux deux styles antinomiques, vous offre alors une troisième vision de l'Amérique pour un livre qui n'aura jamais existé. Father, where have you been? You've been where the rulers just as only teen. Your son, he said, don't worry about me. I'm about to die of the blue sea. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Joanna Price, prise de son Antoine Berry-Roger, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, Mémorandum. Died in the cold, cold rain. Road to Opelousas, road to Wounded Knee, road to Oglala. Home will never be, home will never be. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 4. Mémorandum. Lire le journal, les mémoires ou les correspondances d'un écrivain est une aventure passionnante, car aucune distance entre lui et vous. Comme si vous aviez le sentiment qu'il se confiait directement à vous. Plaisir coupable à lire cette forme qui reste littéraire malgré tout, mais qui vous donne l'impression qu'elle ne l'est pas. Le journal de Barbet d'Aurevilly est étonnant par la volonté dont témoigne le poète de décrire et de faire le détail de sa vie, de lister tout ce qui lui arrive au jour le jour, ses angoisses, ses douleurs, ce qu'il boit, ce qu'il mange, ce qu'il lit, les différentes visites, la réception des lettres, l'état de sa santé, le temps qu'il fait. Vous avez ainsi accès aux moindres gestes, manies, accidents vécus par l'auteur, répertoriés rigoureusement dans ce mémorandum que vous pouvez considérer comme un authentique document sur cette époque, 1834-1864, et sur les tourments intimes d'un grand poète. Entre deux notes, en apparence banales, des petites réflexions qui font l'écrivain. Petites pensées qui parsèment son journal peuvent ainsi évoquer la noble austérité du langage et la hardiesse de la pensée d'un Machiavel ou faire méditer sur les rêves. Le temps qu'il dure, le rêve est une réalité. Et après qu'il est évanoui, le souvenir n'en fait-il pas une réalité encore ? Lire, lire avec cette même émotion coupable le journal de Kafka. Le monde prodigieux que j'ai dans la tête. Mais comment me libérer? Et le libérer sans le déchirer, et plutôt mille fois être déchiré que le retenir en moi ou l'enterrer. Je suis ici pour cela, je m'en rends parfaitement compte. Suivent les cahiers de Paul Valéry, dans lesquels les notions d'idées fixes ou de solitude peuvent être débattues. Je n'oublie pas sa conception avant-gardiste de la perception proche de Descartes
À chaque instant, je coïncide avec ce que je tends à percevoir. Chacun, à telle heure de sa vie, est en somme un système virtuel d'attractions et de répulsions. Un autre jour, tandis que je suis à la recherche d'un roman de Thomas Pynchon dans une librairie, j'accède, un peu par hasard, à un sous-sol dont je pensais l'accès totalement privé. Je me rends compte qu'il s'agit d'une réserve où sont rassemblés des centaines d'ouvrages écrits à la première personne, des mémoires d'écrivains, des correspondances, d'autres mémorandums, d'autres journaux. Le journal de Julien Green et celui de la poétesse Catherine Pozzi, les cahiers de François Mauriac, les antimémoires de Malraux, l'Amérique au jour le jour de Simone de Beauvoir, les écrits intimes de Roger Vaillant, les correspondances de Stéphane Mallarmé, de Dostoïevski, les lettres d'Audibertier de Paulhan, de Gide et d'Allégret. J'étais cerné par de très nombreux ouvrages dans lesquels les écrivains se livraient sur leur vie, l'art, le voyage, la beauté, la nourriture, la maladie, Dieu, la science ou l'astrologie. Un tombeau souterrain, hanté par l'inertie, l'immuable, des pensées conservées comme des reliques protégées, cryogénisées. Cloîtrées dans le sous-sol, une intimité subjective, sans filtre, pas de personnage, pas de médiateur, moins de prétention et d'ambition littéraire, pas de coquetterie ni de velléité formelle, mais une force, malgré tout, celle de la vérité, à visage découvert. Je veux alors lire à ce moment-là des ouvrages où les auteurs vont droit au but quant à leur façon de percevoir le monde et la création. Je veux m'enfermer dans cette réserve et m'irradier de cette parole subjective. Jean Cocteau et son livre « La difficulté d'être » où il s'épanche sur la douleur, la beauté, l'âme. Henri Miller et son souvenir qui regroupe des lettres, des portraits, des réflexions et sa vision de l'Amérique. Une Amérique bondée d'âmes vides. Sans oublier son chapitre sur l'obscénité, sur sa nature et son sens, qui selon lui est presque aussi difficile et laborieux à saisir que de parler de Dieu. Mais bien que la vérité paraisse plus importante que jamais dans cette forme d'écriture introspective, la beauté de la forme littéraire et le prestige de la fable me manquaient. Dans ces milliers de pages, je m'étais détourné de la beauté. Une fois rassasié, je fermais alors cette parenthèse ultra-subjective, ce voyage vers la vérité sans filtre, abandonnant alors définitivement ce sous-sol pour retrouver dans un livre du XIVe siècle toute la puissance, toute la beauté de la littérature. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres, lu par Gonzague Van Berwessles, mixé par Mathieu Ratlot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, Bocas. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 5. Bocas. Quelques années avant le Décaméron, l'écrivain italien Bocas publiait Fiammetta. Je n'avais jamais lu un livre aussi précis sur la passion amoureuse et ses conséquences abominables et douloureuses sur l'âme humaine. Récit d'une souffrance, celle d'une jeune femme qui voit l'homme qu'elle aime partir pour ne jamais reparaître. Bocas raconte à la première personne ce que cette héroïne endure moralement. Manque, désir, possession, emprise. Elle témoigne de manière extrêmement précise des troubles, des tourments dont elle est la victime. Le génie de Bocas est d'avoir su exprimer de manière claire, dans sa progression, dans son évolution, le moindre sentiment de souffrance lié à la passion. À travers cette parole, cette plainte, adressée aux femmes afin qu'elles puissent se méfier des agissements des hommes, Fiammetta fait référence à des figures mythologiques
qui ont pu subir des événements similaires. Médée, Ariane, Eunon, Hypsipyle. Les grandes icônes féminines s'invitent alors dans ce récit, apportant une force, un écho beaucoup plus ample, large à ces lamentations. Ainsi, en invoquant les dieux, les déesses, les grands récits, Fiametta rend sa détresse plus universelle et sa cause plus pitoyable, plus belle. On sait à quel point l'amour peut être destructeur, mais on ne sait plus reconnaître le caractère insidieux et progressif de ce phénomène, qui a la particularité de se répandre sournoisement, insensiblement lorsqu'il s'agit de passion. Bocast nous le rappelle en faisant le récit de cette contamination de manière presque scientifique, en auscultant, examinant, étudiant chaque état, chaque sentiment, chaque émotion. Ce sera l'unique sujet du livre. Contexte, environnement, mode, société, mœurs, désintéresse Bocas. Les descriptions, les détails, les attentions, s'ils ne sont pas liés au thème principal, importe peu l'écrivain italien qui aspire à ne se concentrer que sur un seul sujet, cette épouvantable souffrance liée à la passion amoureuse. De ce choix émane une puissance, une force que seule la littérature semble en mesure de pouvoir engendrer. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres, lu par Marie Modiano, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, les pages qui font jouir. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté, en 11 chapitres. Chapitre 6, les pages qui font jouir. Passer d'un récit sur une passion au XIVe siècle aux écrits érotiques et blasphématoires de Georges Bataille ne me paraissait pas tout à fait logique dans mon parcours de lecteur. Si chaque nouveau livre devait être une nouvelle expérience, alors l'arrivée de Bataille dans ce cheminement me plaisait. Prise en étau entre la prose de Bocas et le portrait de Cassius Clay par Norman Mailer, pour deux expériences de la douleur. Chez Bataille, la douleur se mêle au plaisir, dans un style d'écriture qui étonne par sa liberté, son humour, son indécence et incandescence, sa modernité. Histoire de l'œil, Madame Edvarda, Le Mort. Une plume libre qui prône la débauche et nous délivre des fantasmes qui ne va pas sans évoquer les écrits de Sade. Des écrits qui excitent, des pages qui font jouir. Je sais que certaines pages de Sade ont cette capacité, cette faculté de pouvoir faire jouir certaines personnes, hommes et femmes, et que des pages bien précises peuvent produire ce voluptueux effet. Je me suis imaginée aller au-devant d'une personne qui avait vécu cette expérience et lui demander de me reporter sur un bout de papier le numéro des pages de la philosophie dans le boudoir qui lui aurait permis d'atteindre l'extase, comme si chaque numéro de page correspondant à un passage bien défini était une clé permettant d'accéder au plaisir immédiat. Le livre dans une main, l'autre main sur le sexe. Tel livre se substituerait à l'être aimé, remplaçant progressivement la personne qui partage le lit. Une étreinte sans corps. Relire le même passage, autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que la jouissance advienne. Puis en découvrir un autre. Car la littérature, c'était aussi ça. Avoir accès au plaisir sensuel et sexuel à la simple lecture de quelques phrases pour une expérience de jouissance absolue. Ce morceau de papier, plié en quatre avec une liste de références, permettant l'accès à des pages qui ont le pouvoir de faire jouir femmes et hommes, je le garderai précieusement comme preuve de la puissance de la littérature. Bataille.
Ce nom était revenu régulièrement et de plus en plus fréquemment dans la bouche de réalisateurs expérimentaux et sulfureux. Bataille. Je voulais lire du bataille. L'absurde, la provocation, le blasphème. Bataille. Je découvrais dans les nombreux ouvrages entreposés, oubliés dans une chambre chez ma mère, une dizaine d'exemplaires de la revue Critique, datant de 1955-1956, dirigée et créée par Georges Bataille. Je connaissais depuis peu le Bataille érotique, ici l'autre Bataille, le philosophe, l'intellectuel, le scientifique. Dans son texte sur l'impressionnisme, Bataille me surprend à développer une partie sur le scandale de la peinture au XIXe siècle et la faculté d'hilarité collective d'une foule face à une peinture remarquable, ou comment raconter l'histoire de la peinture à travers les rires de ceux qui la regardent. Certains passages, offrant des analogies entre l'homme et l'histoire de l'art, me font penser à certains écrits de Pasolini, lorsqu'il évoquait John Fitzgerald Kennedy dans « Observations sur le plan séquence ». Les anciens avaient l'habitude de dire qu'avant sa mort, on ne pouvait parler d'un homme. Tant qu'il vivait, son destin, sa figure, pouvait changer. Et certainement, la disparition d'un phénomène aide au contraire celui qui tente d'en découvrir la signification. L'érudition, le courage et la volonté d'exploration des formes chez Bataille me font penser à l'œuvre de Marcel Schwab, décadentiste, qui eut beaucoup d'influence sur de nombreux auteurs français et américains. Schwab fut l'une de mes plus grandes révélations littéraires. Je sais l'écrivain peu connu aujourd'hui. Quelle injustice! Comme Bataille, Schwab est un inventeur, et je ne peux concevoir le génie sans imaginer l'inventeur, la faculté d'inventer une forme, un langage, un thème à explorer, des sensations. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Fabienne Bab, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, les langages du corps.